dans la haie là-bas, hein, les arbres là-bas, la trouée. Ouais. Et vous verrez, ça fait en recoin là. Derrière, il sautait sur la... Oui, derrière. Ça fait... Il sautait sur la rive et là, il s'est arrêté. C'est là où je l'ai tiré. Mais au moment où je tirais, il avançait à nouveau. Donc, comme ça montait vous pensez et tout, du poisson un peu derrière. Je pense que je suis sur une pâte à... Les morceaux d'os, ça dirait, on dirait du fémur maintenant. Vous êtes plus qualifié que moi, pour dire. Voilà. Et après, il rentre dans le bois. Il rentre dans le bois. Nous, on a fait 10 mètres dans le bois. Quand on a trouvé, on les a marqués. Et puis, on s'est arrêté parce qu'on a dit, c'est pas la peine qu'on puisse se parler. On va le pousser pour rire. Ok. Ce bois, il est comment, là? C'est sale, un peu, ou pas? Il y a moyen. Beaucoup de bordel. Et ici, là, de ce côté-ci, il y a ce pré. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Là, t'as que du bois. Ah, c'est du bois en profondeur. Et après, t'as un petit pré au fond. Oui, complètement. Oui, oui. Et après, tu as des champs d'autres trucs. Ouais. Hein? Tu as un tout petit pré sur le fond. Okay. Sinon, le bois, après, il va loin. Hein. On est trois armes. Oui. On n'en prend qu'à trois. Donc, les armes. Pas de balles dans la chambre. Mais des balles dans le magasin. Deux, moi, je l'ai pas. Non, mais nous, on a une équipe l'off. Donc, on a une balle, mais dans on est obligé de. Dans la main. Dans la, ouais. La poche, la main. Mais voilà, pas de balle dans la chambre, comme voulu. Je souhaite laisser quelqu'un, moi, sur la place de tir. Ouais. Parce qu'en poursuite, il est pas rare qu'il repasse à la place de tir. Donc, d'après moi, il faut rester là. Parce qu'après, dans le végétal, là, c'est pas la peine qu'on soit nombreux. Ouais. Le deuxième, je réfléchis intelligemment. Le dessus, je sais pas. Je suis pas sûr du coup, parce que si le bois est en profondeur, il y a de grandes chances qu'on parte en profondeur. Non, mais bon, je m'interroge à savoir si je vous demande de rester en haut. Alors, moi, je vais fibouler régulièrement. Ça vous permet de nous localiser et de suivre. Très bien. Par contre, ce que je vous demande, c'est d'évoluer. Même si on part, vous restez sur ce secteur. Je reste là, je bouge pas. J'avance en même temps qu'il bibole. Moi, voilà. je Et à défaut, vous pouvez même revenir un peu. Si à un moment donné, on était parti trop loin, vous revenez, mais vous restez là. Je reste là. On fait comme ça. Allez. Il peut sortir d'autres animaux. C'est là que soyez vigilants, pas de blague. Non, mais là, celui-là, tu verras, c'est un beau trophée. Pas arrière, vous le verrez. Oui. Un bois, il a des bois blancs au-dessus, mais beau. Quoi. Ouais. Mais dans le doute, moi, je tire. Ration sur l'humérus. Donc, il ne poursuivra pas. Et on a pris Papy, le vieux, là, comme on dit chez nous, avec Ezy, qui va me suivre derrière. Et puis, si à un moment donné, il y a la voie chaude, hop, on libérera Ezy. C'est Ezy qui partira en poursuite. D'accord, ça va. Voilà. Extra! Arrêtez sur le dessus, à côté de l'arbre. Dans quel sens? La tête de là-bas. D'accord, ok. Et vous êtes... Moi, j'étais là-bas. Voilà, ok. Donc, juste avec cause de ce creux, je ne le voyais pas dans le creux. Et je l'ai vu que quand il est monté là. Mais je l'ai vu, je le voyais avant, je voyais que ça fait pas. Et là, et là les os, au coup de fusil, il y a un tout petit bout. Et puis après, il y en a... Je l'ai marqué l'autre. Il y en a deux autres. Mais après, il y en a marqué l'autre. Je l'ai marqué où, quoi? Par contre, tu me tournes. Chut, c'est lui. C'est lui, je te laisse. Ne mange pas, toi. Attends le vieux, il est prêt, on y va. Allez, on démarre. Allez, on est parti.
Le sang, cherche le sang. Michel, ça vient de partir devant moi. Descends là où je suis. Ah, le chien qui de la tête cherche. Au pire, on tente. Alors après, on va reprendre. Pendant que Michel fait la poursuite, au pire, moi je recontrôle. Là, voilà, là, c'est très grand. Ça passe là. Attends, le chien s'excite, donc il cherche vraiment à... Et au bruit. Et qui était, quand on était déjà derrière, et qui a fini là, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'on tente tout là. Parce qu'en indice, tu as vu, hormis les bouts d'os secs au départ, on n'arrive pas à avoir de frotté, rien. Patte arrière, c'est une hypothèse. On peut avoir la balle qui passe un peu dessous, qui vient chercher une patte avant. L'os, moi, je ne le trouve pas très gros. À défaut, tu vas avoir la rare de chien. Si on est sur patte avant, c'est pas gagné. Je te promets, c'est pas gagné. Surtout avec l'aspect hémorragique, tu vois, où s'il y avait un peu de... Là, on est sec, hein. On est sec. Hein. Donc, tu vois, jusqu'ici, on est bien dessus, puisqu'on retrouve le sang ici. Vous voyez, c'est vraiment... Et là, nous, on était déjà en train de redescendre. Donc, tu vois, on descend bien en bas. On va essayer de reprendre à partir de là. On va essayer de reprendre à partir de là. Passe comme ça. C'est en bas, je pense, c'est Didier qui l'a bifurqué sur la gauche. On va voir. Ou alors voilà. La voie est... T'es, regarde, il était couché là. Regarde tout le sang sur la feuille là. Ouais, il était couché là, ouais. Tu vois la feuille là? Celle-là là. Ouais, il était couché là. Il était couché juste là. Ah, le sang est sec. Ouais, après c'est sec. Hein. Bon, donc il est peut-être pas loin, Didier là. T'es couché là, hein, Didier? Ah, mais là, moi j'ai les feuilles, c'était... il y avait couchette là. Cherche. Mmh. Oui, mais Michel, il y a le chien, c'est normal. Alors, je m'avance, c'est normal. Je te disais. Je m'avance. Ça fait 3/4 d'heure que nous sommes partis. De nombreuses pistes se sont croisées. Ça a mis un petit peu en défaut les deux chiens de rouge. Par contre, on est remonté au premier sang. C'est la dernière goutte qui a été trouvée. Et les chiens sont repartis cette fois-ci dans la bonne direction. Et semblent être bien sur la piste maintenant. Allons voir. Il y a des émanations hautes par moment. Je me méfie qu'ils ne soient pas couchés par là. Ok, là. Là, il y a beaucoup d'émanations hautes. Ça doit être maintenant. Allez, toutes ces couchettes là, ça sentait bon là. On va laisser faire, moi je vais continuer à pister. Allez. C'est flagrant. Alors le chevreuil a été tenu au ferme, il a été retrouvé. Il est sorti côté près. Pierre n'a pas pu le tirer, il passait trop loin. Mais cette fois-ci le chien reprend donc
l'endroit du passage du chevreuil et on va dessus. Il est là. Oui, Michel. Venez, Michel. Oui, c'est bien. C'est bien. Bon, il est sur ses freins. Il est sur ses freins. C'est bien. C'est bien, mon gars. Oui, c'est bien, mon gros. C'est bien. Alors, hein, t'as fait courir, celui-là. Hein. Il t'a fait courir, hein. Ils sont tous passés où, là? Je les ai perdus. Oh! C'est là, c'est fini! Oui, oui. T'es vu, c'est bon. Il a eu Didier. Oui, là, il s'était mis là. Ouais, mais il est au bout, il est au bout. Il est même pas reparti quand le chien est arrivé dessus. Salopard. C'est bien, extra, c'est bien. Il est bien, extra, c'est bien, c'est bien. Ouais, il est mort là, Didier. Non, on l'achève là. On l'achève, mais, là. Tu vois, le chien arrive, il repart et même pas. Tu le reprends de là-haut, à 2 km, 2 km et demi. Quand, tu sais, la chienne est partie derrière, ouais, en poursuite, ouais, après j'ai repris. D'accord. Et j'ai pisté, j'ai traversé tout le sale. On est monté sur le coteau, redescendu. Toujours nickel, j'ai trouvé plein de reposés. À un moment donné, la chienne, pour moi, elle l'avait pris ou elle l'avait, je sais pas, il y a eu contact, il y a eu quelque chose. Après, on a pisté, on sort là. Je m'attends à le voir au fossé, vu l'attitude du chien. Il était on longe, ça vient d'elle. Et qu'est-ce que c'est comme blessure, t'as regardé déjà? Cuisse arrière. Elle se arrête, hein, le dagan, là, je l'ai abîmé devant, mais devant, c'est bon. On va lui remettre les honneurs, hein, Didier. Mais tu peux aller chercher le chêne, hein. C'est là-bas le chêne. Entrée. Depuis le départ, on a fait 4,470 mètres. 4470 mètres pour une patte arrière. On n'arrive pas à le bloquer en poursuite et on finit en longe. Tu veux ta dague? On repart et le chien cherche. Il revient en arrière, il revient là, il progressait. Dans ce petit sale, j'ai dit il est là, quoi. Je m'attendais là. Alors, en même temps que le chien bossait, j'essayais de voir si je voyais une entrée. Et puis tout d'un coup, je l'entends démarrer dedans. Et c'est là que je te dis, Michel, il vient de partir. Ils viennent de partir, c'est maintenant, quoi. Alors après, tu vois quand même que la voie est assez est difficile, parce que dans le pré, je veux dire, on trouve la couchette qui est marquée, je ne sais pas si vous l'avez vu avec le sang, là. Mais même de là, tu vois, on avance, on recule, on avance, on a du mal à tenir, quoi. Et on a... La voie est difficile. Pour autant, mais ça progresse. Avec là, beaucoup le chien, d'animaux, quand même. Elle a bien dans le nez, ça progresse. Et là, quand on arrive au bord du sale, en plus, je veux dire, le chien n'aurait pas la voiture, là, c'est... Même dans le pré, de suite, tu décroches, parce que l'ambiance, tu sens que ça se joue dans les 100 mètres. Ça se joue dans les 100 mètres. Voilà. Et après, tu coupes, tu démarres, et là, ça part aussitôt. Hein. C'est parti direct. Il y a eu le ferme au-dessus. Au-dessus. C'est redescendu. C'est repassé, tu sais, au tireur, là. Parce qu'il est sorti sur le plateau. Alors, le il tireur, est re-rentré un peu. Le tireur l'a identifié comme étant sain. Oui, mais ça, c'est le deuxième. Le premier le voit aussi. Le premier l'identifie. Il y en a un qui l'identifie blessé. Dedans.
Il y en a un qui le voit. Je ne récupère pas le temps. Ah. Moi, je vais vous le voir à trois. Non, non, moi je vais le voir. Il ne faut pas les laisser là, il faut les récupérer. Ils ont permis les autres, non? Michel, t'as le... Un travers, dis-moi. Tu le vois ressortir derrière? Ah si! Qu'est-ce qu'il a comme balle? Balle arrière avec la cuisse pétée. Ah super! Oui, tiens la chaîne un peu. Assis. Amis chasseurs, félicitations d'être allé jusqu'au bout de l'acte de chasse et d'avoir eu confiance. Vous voyez le coup de filière où c'est que on le fait hier soir ou pas? J'ai dit surtout pas. Assis. Eh oui, mais c'est un professionnel, c'est comme non, ça. Quoi. Super. Merci à vous. C'est moi surtout qui... Ah bon, chapeau, merci. Un petit morceau au chien. Et chapeau pour les chiens de sang. Hein. Vous avez des chiens extraordinaires. Ça l'a fait aujourd'hui. Ça l'a fait. Ah, il n'y a pas. Si, on va le mettre là. Ah, c'est une balle arrière, Didier, non? Oui, mais comme il a fait. Par contre, elle est certes, mais j'aurais jamais cru, tu vois, qu'on fasse... Ton chien l'a poursuivi 3 km alors. Voilà. Oui, non, mais j'ai... Et j'accroche l'autre. Allez. On va faire, comme il y a eu un travail commun. Un peu à l'autre. Didier, tu peux. Tu lui mets entre les dents parce qu'elle n'a pas, pas de collier. Alors elle donc tu le lui mets entre les dents, ma chienne. Qu'est-ce qu'il te faut? Une chienne gentille comme toi. Il est méchant le délégué, il est méchant.